Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre. Je suis dans ma voiture, et oui, il y avait longtemps. J'attends ma fille qui est une soutenance d'une formation qu'elle fait là. Et donc, je l'accompagne, si je peux dire, si je ne suis pas dans l'établissement. Bon, par contre, le derrière, voilà, on ne la voit pas. Voilà, j'ai pas envie que... Donc, je vous montrerai après un peu. Là, je suis sur le port de Lorient, c'est sympa. Et puis, je ne suis pas toute seule dans la voiture, forcément. Et vous avez surtout... Viens, mon chien. Copain. Non, il est plus intéressé par les bateaux et puis par les mouettes. Là, vous voyez un bout du port. Alors je sais, je ne suis pas douée, voilà, ça restera comme ça. Donc en fait, je voulais vous parler de deux choses. Lundi, j'étais convoquée à l'hôpital, je devais me faire opérer pour qu'on m'enlève la fameuse sonde Gigi et tout, voilà. Donc j'avais eu, je ne sais pas combien de coups de fil avant, il y avait ordre, contre-ordre. Alors un coup c'était en anesthésie générale, un coup c'était en sédation, un coup c'était pour faire ceci, cela, enfin bref. Donc, je me suis pointée lundi. J'ai été convoquée pour 13h15. Ok, bon, j'étais là à 13h. Pas de souci. Donc, on me fait mettre en tenue, vous savez, la tenue de combat, comme j'appelle, la tenue pour le bloc. Et puis, je dis à quelle heure on vient me chercher. On me dit 14h45. Ok, très bien. Et j'attends. Et puis, je trouvais que le temps était long. Et puis, vers 16h15, je crois. Je finis par sonner, donc il y a une infirmière qui arrive et je lui dis est-ce que vous savez dans combien de temps je vais descendre, parce que donc là elle me dit que il y a une complication apparemment sur la personne avant, donc ça a duré plus longtemps. Ok, très bien. Et puis j'ai moyennement aimé comment elle m'a, enfin bref, elle m'a parlé, mais c'est pas grave. Et puis une heure après, il y a le chirurgien qui débarque avec le 4200, avec une infirmière, pour me dire que l'opération a été annulée. Ah ok, c'est cool. Parce que en fait, lui, il m'a dit, moi, je peux vous opérer. Sauf que là, le personnel, ils sont partis. Ils finissent à 17h. D'accord, très bien. Donc en fait, j'avais posé ma journée de boulot. J'avais attendu, en plus, vous savez comment sont les tenues pour les opérations. Elles sont assez fines. J'ai crevé de froid tout l'après-midi, j'ai crevé de soif surtout. Enfin bref, ça a été génial. Donc vraiment l'après-midi de merde. Voilà. Et donc je dois y aller demain. C'est cool. Donc il a fallu que je repose une journée. Mais c'est formidable. Donc j'ai la chance que la présidente de l'association pour laquelle je travaille est super sympa et tout. Parce que je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je vienne vendredi travailler ou en télétravail vendredi? Elle m'a proposé le télétravail. Donc très bien. Et en fait, c'est bien une anesthésie générale que je me paye en plus. Moi qui je veux pas d'anesthésie générale parce que c'est comme ça. Et puis je vais avoir une anesthésie générale. Donc c'est cool, je suis très contente. Voilà. Donc c'est pour le programme des réjouissantes. Alors je retourne pas là le truc parce qu'il y a plein de gens qui passent. Là c'est l'heure, il est même pas 9h, donc tout le monde va soit en cours, soit à son boulot, soit enfin voilà. Et sinon, alors la deuxième chose, de manière plus gaie, un autre sujet qui est plus cool, c'est que j'ai fait faire il y a quelques temps, il y a, je ne sais pas, 3 semaines, en moins, je ne sais plus. Vous savez, on peut se faire poser des facettes dentaires. Alors moi, ce n'est pas du tout lié aux influenceurs, parce que là, on les voit tous avec des méga dents blanches, le truc pas possible et tout. Non, moi, ça n'a rien à voir, parce que c'est depuis toujours que je n'aime pas mes dents. Et puis là, en fait, le fait de vous faire des vidéos depuis quand même quelques années, ça me complexe de plus en plus de les voir en me disant, non. Donc, alors tu vas aller à l'arrière, non, on ne te voit pas, bon, c'est pas grave. Et tu regardes la caméra? Ouais, bisous? Non, même pas de bisous. Bon, pas de bisous. Il y a un gros cabinet à Lorient, donc j'ai été les voir. Donc, ils m'ont fait une pause, mais juste pour montrer ce que ça donnerait. Ah, c'est beau! C'est très très beau. Bon, par contre, je me disais, je vais en avoir pour je sais pas combien et tout. Ça a mis le temps, j'ai fini par avoir le devis. Je vous donnerai pas le montant.
Non, le devis, sincèrement, j'ai été agréablement, entre guillemets, surprise. Je m'attendais à plus, beaucoup plus. Surtout que bah, il n'y a pas que la pose de facettes, en fait. Il arrange, bah, il y a des implants à poser et c'est nécessaire. Il y a des couronnes à changer. J'ai des couronnes qui datent d'il y a 25 ans et tout. Donc, il y a plein de boulot à faire. Donc là, j'ai envoyé à ma mutuelle. On va voir ce que ma mutuelle prendra en charge. Donc, peut-être qu'un de ces quatre, je dis bien peut-être, on verra avec un super beau sourire. J'ai bien dit peut-être. Parce que. Bon, je voudrais que tu fasses un bisou, toi. Bisous. Il veut pas. Il passe mon temps à me faire des bisous. Et puis là, il est perturbé. Parce que il est à un endroit où il n'a jamais été, d'une part. Et puis en fait, ma fille a une chienne avec qui s'entend très bien. Et il sait qu'elle n'est pas très loin. Parce qu'elle est dans la voiture de ma fille. Enfin bref. Donc voilà. Donc, bah écoutez, voilà. Bah, je vous donnerai les infos pour demain. Pour bah, mon opération. Voilà, donc youpi. Par contre, alors ça, je sais plus si je l'avais déjà dit, bon, je sais que beaucoup le savent, mais pas tout le monde. Quand vous avez une anesthésie générale, même si je ne les aime pas, je le sais, et puis je l'ai constaté, quand vous vous endormez, hop là, il n'y a pas la personne, là, je tourne, je dis, je veux pas avoir de problème, même si maintenant on filme ce qu'on veut, on prend en photo qui on veut, mais bon. C'est qu'il faut s'endormir avec le sourire, et bien, parce que mieux vous vous endormez, mieux vous vous réveillez, et par contre, plus mal vous vous endormez, plus mal vous vous réveillez. Donc, je vais m'endormir avec le smile. Donc, voilà. Mais, non, et puis, ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je sais plus, voilà. Là, maintenant, c'est même plus une seconde. Ça rentre et clac! Enfin, c'est à la vitesse de la lumière, j'oublie les choses. C'est assez impressionnant. C'est très chiant, mais c'est comme ça. Voilà. Mais, alors, attendez. Là, j'aurais voulu vous montrer le port, vraiment. Mais je vous dis, il y a tellement de monde qui passe que bah, vous n'aurez pas accès au port. Voilà. Et puis là, en plus, vu que je suis dans la. Ah ouais, bon, bah, il y a un mec qui passe. Et voilà. Et non, je voulais que vous voyiez les bateaux. Mais là, entre la voiture, entre le fait que je suis garée une place handicapée. Donc, puis il y a un arbre, il y a machin. Enfin, bref, c'est pas génial. Je voulais que vous ayez une autre vue, mais tant pis. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous donnerai bah, des suites de l'intervention de demain. Donc, j'ai pas du tout envie, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, plein de gros bisous. Et puis, bah, à très vite. Gros bisous. J'arrive pas à éteindre, c'est cool. Bon, on va faire autrement.